On revient avec notre ancien générique, hein, vu que le séminaire à Barcelone est fini. Ça a été un très gros succès. Tout le monde est très content. On a vraiment passé 72 heures tous ensemble avec deux prestigieux intervenants, 8 masterclass, des échanges toute la journée, même voire toute la nuit pour certains. Et nous commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne et sur cette émission en particulier. Ce sont juste des échanges entre passionnés de bourse, entre passionnés de trading, entre passionnés d'investissement. Deuxième petit rappel où vous pouvez nous trouver, donc Twitter à 10381, notre email 1038trade@gmail.com et la boutique où vous trouverez les produits Mika et Tino, le salon MTT. Et justement, ce soir, on fait bien les choses, hein, on va retrouver les deux, hein, on va retrouver Tino et Mika, mais pour l'instant, on va commencer avec Tino. Salut Tino, comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Toi aussi? Ouais, ça va, très bien. Hein. Un peu débordé après le rush du séminaire. Plus, on a enchaîné la semaine d'après avec le rush du Black Friday, qui a été d'ailleurs très très bon pour le salon MTT. Hein. J'annonce les chiffres, j'annonce pas les chiffres, hein, parce que ça regarde personne. Mais il a été très très bon, voire exceptionnel. disons qu'on a rempli le contrat, on avait ouvert une vingtaine de places supplémentaires. Et donc, elles ont été toutes pourvues avant le dimanche déjà. Plus de 20, on a été pourvus même. Hein. On a réouvert plus après. Plus de 20 parce qu'il y avait des demandes en cours qu'on n'a pas pu refuser. Mais globalement, c'est ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc, c'est cool, c'est cool. Et puis surtout, là où c'est au-delà des nouveaux arrivés, ce qui est satisfaisant, c'est surtout les renouvellements. Parce beaucoup qu'après une année difficile 2023, on pourrait facilement comprendre que les gens se lassent aussi, hein, d'avoir des difficultés à faire des performances. Pour autant, on voit que la passion est là et que les progrès sont là et que les gens s'accrochent. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le travail qu'on fait au quotidien est aussi récompensé. Donc voilà, très bien. Et pour le séminaire, ouais, c'était cool. C'était encore plus rapide que l'année dernière. Je ne sais pas ce que toi, tu as eu comme sensation là-dessus. Moi, j'ai l'impression que ça s'était passé encore plus vite que l'année dernière. Ah disons que l'an dernier, c'était un coup d'essai. Hein. Et puis cette année, on avait pris beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus de genres différents. On avait mélangé un peu les genres. Hein. Il y avait de l'indice, il y avait de l'investissement long terme. Avec Ibou, il y avait du trading algorithmique et de l'intelligence artificielle avec Gilles Santacreux. Il y avait Olivier qui nous avait fait des placements financiers. Puis après, il y avait le classique, entre guillemets. Hein. Je ne dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est le classique avec les actions et l'AT, un peu plus de technique, avec toi, Christophe. Et David. Donc, on avait fait vraiment un gros panache cette année. Apparemment, ça a bien plu. Je dirais des très bons retours, comme l'an dernier. Ouais, comme l'an dernier. Ouais. La première question qui venait à la fin, c'est vous le faites où l'année prochaine? Donc, ouais. Ça, c'est cool. Quand les gens s'en vont et te disent vous le faites où l'année prochaine pour revenir, c'est que c'est très positif. On fera un petit sondage. Moi, j'ai plein d'idées. J'en ai un peu parlé avant. J'ai plein d'idées. On va voir ce qu'on fait. Si on fait plus gros, si on fait plus petit, si on fait différent, si on fait ailleurs. C'est un truc à discuter. Voilà, ouais. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Le, ouais, but de, si tu veux. Le sujet de l'émission, c'était est-ce que vous avez changé de stratégie en 2023? Donc avant de parler de changement de stratégie, on va peut-être savoir un peu quelle est la caractéristique de ce marché 2023 par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Apparemment, c'était pas trop haussier, puis on finit bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tino? Comment tu as vu l'évolution de ce marché par rapport aux autres années? Si on parle du swing, on va parler du swing trading. Hein, j'imagine que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Et moi, c'est ce que majoritairement j'ai fait cette année. J'ai fait très peu d'intraday cette année, par manque de temps, tout simplement. Mika aura certainement un peu plus tard un avis différent ou complétera. Pour le swing trading, c'est pas une année pour le swing trading, clairement, pour une raison très simple, c'est un marché en zigzag. C'est un marché finalement qui a oscillé toute l'année entre les 6008 et les 7004. Donc il a démarré, le 3 janvier à 6726, tu vois.
Et puis début novembre, il était à 6796. Donc là, il y a eu ce dernier rebond, là, entre guillemets, ce dernier élan là, qui fait que on est tous contents, tout ça. Mais finalement, si tu enlèves ce mois de novembre, tu as eu un marché quand même très compliqué. Et ce zigzag empêche souvent le. Enfin, rend du moins plus complexe le swing trading parce que tu as du mal à porter les positions parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours en arrière. Donc c'est très compliqué. Ça a été très compliqué de toute manière. Mais Alors, qu'est-ce qu'il bon. faut faire? Il faut trader moins, mettre des targets plus courtes, changer les tailles de position. Oui, alors, il y a un peu tout ça. Déjà, contrairement à ce qu'on peut croire, tu ne sais pas, pour ça que ça me fait toujours rire, parce qu'il y en a certains qui disent oui, mais en ce moment, le marché, quand on est dans un marché qui n'est pas favorable, il faut réduire les tailles de position, il faut prendre des TP plus vite, mais tu ne le sais pas au Je sais moment où pas. tu y es que c'est un marché pas favorable. Tu Tu ne sais sais quand tu es pas, dans un range, quand tu as tapé en haut et que tu reviens en bas, ou quand tu as Ouais, tapé en bas et que tu éventuellement. reviens en haut. Ben ouais, moi aujourd'hui, quand je fais le bilan sur l'année, bon, on peut commencer à le faire. Ça fait 11 mois qui sont écoulés, donc on peut commencer à faire un bilan. Aujourd'hui, je peux te dire effectivement que l'année a été compliquée parce qu'il y a eu du zigzag. Mais si tu veux, le marché du 1er novembre était le même marché que celui du 15 octobre. Et pour autant, à partir du 1er novembre, ça a démarré ça a enquillé sur un marché beaucoup plus favorable, swing trading. Donc, c'est toujours extrêmement compliqué de savoir ça. Effectivement, on a des petits signaux qui font que quand tu vois qu'il y a beaucoup de retours, etc., après, tu essaies de t'adapter un petit peu plus. Mais il faut quand même toujours espérer qu'il y a des rebonds qui sont un petit peu plus forts. Nous, on a eu beaucoup de réussites sur le mois de novembre parce voilà, on a eu un très bon timing sur le swing trading. Mika a fait deux, trois trades exceptionnels en intraday qui ont fait que, bon, voilà. Mais il y a une grande part de réussite là-dedans. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et surtout attention aux conclusions qu'on tire. En ce sens que la performance, et ça c'est très difficile à comprendre pour 99,9% des gens, moi y compris souvent, c'est que la performance n'est pas forcément le gage d'avoir eu un bon trading. Tu vois ce que je veux dire? Là, cette année, honnêtement, les gens qui ont tradé toute l'année et qui arrivent en swing trading, je parle, et qui arrivent malgré tout à avoir une performance flat, c'est déjà pas si mal que ça. Franchement, c'est déjà pas si mal que ça. Si vous êtes arrivé cette année, voilà, à vous en sortir, à faire des choses bien, des choses moins bien, mais que globalement, vous avez bien géré le risque, etc., c'est déjà pas si mal. Parce qu'effectivement, on regarde le CAC 40, on dit le CAC 40 fait plus 13 cette année, au moment où on se parle. Oui, c'est vrai, mais le CAC 40, c'est une illusion. Et d'ailleurs, on voit que cette illusion pourrait bien changer. D'ailleurs, on voit que les small caps surperforment depuis à peu près un mois et demi. Moi, je pense, j'étais un des premiers à dire que ça allait être le cas sur la fin de l'année et tout le monde m'a sauté dessus. Et pour le moment, ça m'a donné raison. Et je confirme et je continue à penser que les small caps risquent de surperformer, y compris sur l'année 2024 et y compris si le marché continue de baisser. C'était clair parce que les small Pour. caps, pour rappeler, on était en chute libre, on était un crack sur les small caps. Hein. On était au Oui, plus bas oui, oui. de je sais pas trop combien d'années. Hein. J'ai pas le graphe Bah, je pourrais te le sous les montrer yeux, mais après, on le enfin. fera si Et tu là, veux, on a on ouvrira vraiment une partie. rebondi et parce qu'on était vraiment à la cave et les prix sont vraiment très très bons quoi pour les small caps. Oui, pour beaucoup de small cap, il y a des valorisations qui sont devenues. Et c'est là où moi, c'est là où c'est pour ça que je pensais que les small cap allaient, même si on baissait, allaient moins baisser, parce que je pense que sur ces niveaux-là, il y a des gérants de fonds qui sont rentrés et qui lâcheront plus les positions tant que ça remontera pas, tu vois. Donc ils ont lâché plus tôt, mais ils lâcheront plus. Contrairement aux grandes capitalisations qui sont pour certaines encore beaucoup, beaucoup, beaucoup survalorisées. Et là, peut-être que si ça baisse et que ça commence à paniquer en 2024, peut-être que là, il y a des positions qui seront lâchées et que là, on aura potentiellement des creux. Moi, je m'attends à une année 2024 compliquée, en ce sens que je m'attends à une année 2024 très volatile. Je pense qu'on va construire des très grandes figures pendant un an, voire un an et demi. Ça va être, voilà, ça va être Une long, grande ça va figure, tu être peux du rappeler ce que c'est pegging. une grande figure? Parce que tu parles toujours de la petite et de la grande figure. Tu peux faire Oui. une petite parenthèse Ouais, pour après, ceux qui ne connaissent pas? on essaiera peut-être de faire des exemples. Mais en fait, grosso modo, un marché. Alors, on qualifie toujours un marché de tendance haussière, tendance baissière, tendance neutre. Mais en réalité, quand tu regardes aussi les graphiques, tu peux l'interpréter différemment en disant qu'en fait, le marché, soit il est en expansion,
soit il est en congestion, en construction. Et donc, effectivement, les constructions, ce sont ces fameuses figures qui peuvent être plus ou moins larges. Et donc, quand tu as des grands phénomènes comme ce qu'on a eu notamment depuis septembre 2022, on a eu un gros rallye là. On est parti de 5006 et là on est à 7004. Et je pense d'ailleurs, pour moi, on est dans une figure. Bah tiens, allez, je vais peut-être te partager tout de suite. Hein, peut-être pas, ce sera peut-être plus clair. Je vais mettre le CAC. Voilà, tu me dis quand tu vois mon écran. Je ne vois Voilà. rien. Tu Ça arrive. arrives. Ah, attends. Voilà, c'est bon, je vois le CAC. C'est bon? Bon, tu vois, le CAC, tu peux l'interpréter aussi en te disant que tu as eu ce superbe rallye et que désormais, ben, tu fais que consolider à l'intérieur d'une figure qui peut être très longue. Et c'est ça la grande figure qui risque de durer encore et encore. Quand tu prends du recul, ben, finalement, là, tu es début janvier, tu vois. Finalement, entre début janvier et aujourd'hui, tu n'as fait que du zigzag. Grosso modo, entre les bornes hautes et les bornes basses. Bon, après, tu peux prendre aussi du recul et te faire peur, c'est-à-dire tu peux aussi analyser le CAC comme ça, en te disant que finalement, tu es en haut d'un canal et que potentiellement, c'est pas terrible. C'est là où c'est tout le paradoxe et tout le. Avec le CAC small, parce que quand tu regardes le CAC small, c'est tout le contraire. En ce sens que, regarde, c'est exactement le même canal, sauf qu'on était en haut et on a chuté et on est venu chercher le bas de canal. J'enlève mes dessins que j'ai fait entre les abonnés et la vidéo du week-end. Voilà, donc nous, on a eu de la réussite parce qu'on avait joué ici, on avait joué le rebond, on était rentré partiellement sur des. Enfin, moi, je suis rentré partiellement sur des ETF long terme. D'ailleurs, j'ai allégé déjà une partie. Je joue potentiellement le haut de canal, mais il faut bien comprendre que sur les small, pour moi, on est dans une figure intermédiaire. Voilà, on est dans une espèce de biseau descendant qui est très long et qui peut durer avant de repartir. Et je pense qu'il est tout à fait probable qu'on ait un dernier creux en 2024. Ce dernier creux-là, si on l'a, c'est là où moi, à titre personnel, je ferai all-in sur mon portefeuille long terme, sur les small caps, clairement. D'ailleurs, j'ai mon alerte, elle est là, tu vois. 9616, si on casse les 9616, dès que j'ai le premier signal de retour des acheteurs, c'est là où je rentre. Parce que je pense que, de toute façon, à long terme, on s'inscrit dans un canal, qui est celui-ci, tu vois, depuis 2005, et que, en fait, on fait borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. Donc voilà, on est presque venu sur la borne basse. Alors, je peux regretter un petit peu, hein, de ne pas avoir fait, parce que je suis rentré que partiellement sur mon portefeuille long terme. Bon, c'est un beau rebond, hein, quand même. Mais je pense que, quand même, voilà, on Et peut encore avoir un un ou deux dernier vagues. Alors, truc, mais. c'est ce que tu appelles la grande figure. En fait, c'est la figure long terme, Voilà. en fait. Voilà, tout à fait. En fait, quand tu as un marché, tu peux dire qu'il avance en tendance haussière, en tendance baissière, en tendance haussière, en tendance baissière, mais tu peux aussi dire qu'il marche en expansion et après en consolidation. En expansion, en Ouais, consolidation. En en expansion, en drapeau, en fait, consolidation. ouais. Ouais, oui, après la figure, on s'en fout. Ça peut être un range, ça peut être même un biseau ascendant, c'est possible. Et donc, en fait, ce que tu te dis, c'est que ça, là, ça représente la grande figure. Et ce que j'appelle la petite figure, c'est que généralement, admettons que si cette figure-là, c'est un triangle, etc., ben souvent, ce qui se passe, hop, je vais le faire à peu près proprement, souvent, ce qui se passe, c'est que tu as la grande figure ici qui est cassée par le haut et tu as la petite figure qui se présente ici avant le nouveau départ. Et ce qui est très intéressant à trader, c'est donc cette petite figure-là, Oui. parce que c'est celle qui te permet d'avoir un stop le plus court possible Oui. avec un ratio gain-risque le plus important possible. C'est Donc pour c'est ça que pas la souvent peine je d'avoir parle du de. FOMO et de prendre au breakout, il faut attendre la petite figure derrière de consolidation après la cassure. Que tu n'as pas toujours. On l'a Il faut vu très bien accepter sur que le tu. CAC, si tu Voilà. as le CAC après le Covid, tu as eu un premier rebond et après tu as eu une hésitation et après c'est reparti vers le haut. Et c'est ça en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà la Alors, elle petite n'était pas figure très là. belle. Ouais, elle n'était pas très belle là pour le coup, mais oui, c'était un canal un peu comme ça, on peut, voilà, un peu comme ça, ouais. Bon, là, c'était la grande figure. Mais ça, c'était la grande figure, parce que là, tu n'as pas eu la petite. Au niveau du breakout, bon, là, c'était l'annonce du vaccin. Donc là, tu n'as pas eu la consolidation intermédiaire. Sur quoi, par exemple, récemment, tu as eu. Ah, ben sur Morel, tiens, qui a bien pété. Morel, tu as l'exemple typiquement. Voilà, regarde. Là, tu avais tout là. Tu avais la grande figure. Alors, j'avais effacé, mais grosso modo, tu avais une espèce de grand, grand biseau descendant. Tu vois, la grande figure. Donc, tu avais ici la grande figure. Pap, 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 pap. Tu as cassé, tu as fait la petite ici. D'accord. Et derrière, cassure, pullback et boum, explosion.
D'accord. Et c'est ça, moi, idéalement, que je recherche parce que, tu vois, ici, tu as une réduction forte de la volatilité. Ah, si tu Donc, c'est réduis là où ça la vaut le coup. volatilité, tu mets des stops courts, tu peux perdre plusieurs Voilà. fois, tu peux rentrer plusieurs fois, t'as pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes à exploiter. Alors, tu l'as pas tout le temps, mais là, j'ai plus trop d'exemples en tête, mais bon, c'est quelque chose que je montre régulièrement hein, sur les vidéos, etc. Quelque chose qui s'exploite, bon, voilà. Ça permet d'avoir des ratios gains-risques intéressants. D'accord. Voilà. Donc, moi, là, pour le coup, je l'ai pété, ouais. Ok, donc on revient, ta stratégie 2023 a évolué dans quel sens, toi, alors? On revient un peu à notre sujet. T'as évolué. Alors, ouais, bah, écoute, alors c'est une année pour le swing trading difficile. Évoluer, oui, en ce sens. Alors déjà progresser, ça c'est sûr. Progresser, voilà, ouais. Oui, déjà progresser, ça c'est sûr parce que, enfin, de toute façon, en bourse tu progresses dans les années où en général en termes de performance tu fais pas grand-chose parce que c'est là où tu es dans le dur, c'est là où tu apprends énormément. Moi, je pense que c'est sur le plan au-delà de la technique, mais on pourra en parler. Moi, je pense que c'est plus en termes de psychologie, de lecture du marché, d'anticipation que j'ai progressé. Il y a des choses que je fais beaucoup plus attention. Tu vois, je peux en donner plein des exemples, mais tu vois, par exemple, au moment des publications, il y a quelque chose que j'ai remarqué, ça aidera peut-être ceux qui nous écoutent. Il faut toujours être très attentif aux premières publications. Pas de savoir si elles sont bonnes ou pas. Ça, à la limite, c'est presque un détail. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les toutes premières. En général, tu as une semaine où tu as quelques publications, tu as une deuxième semaine où tu en as beaucoup plus, tu as une Alors, troisième tu veux semaine où dire tu en as assez gros. la première semaine de la série De, publication, d'accord. voilà, de, voilà, de l'espace-temps où tu auras les publications. La première semaine, tu regardes les publications qu'il y a, tu auras le comportement. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de regarder quand tu as des gaps baissiers sur les publications. C'est là où je vois, en fait, qu'est-ce que vraiment est prêt à faire le marché. Qui sanctionne, à la limite, c'est presque un détail, parce qu'il peut sanctionner des bons comme des mauvais. On ne sait pas vraiment, à vrai dire, parce qu'il y a des contraintes techniques, c'est toujours très compliqué. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir, à partir du moment où tu as eu le gap baissier, qu'est-ce qui s'est passé. Et généralement, je dis bien généralement, dans la majorité des autres publications, ça se passe de la même manière. Si tu vois dans la première semaine qu'il y a des gros gaps baissiers, que tout de suite c'est acheté et que Donc la pendant 2-3 publication est jours, tu as des hausses. mauvaise, la publication est mauvaise, ou elle est bonne, on a un gap baissier, c'est ça? Donc, ou est-ce que tu regardes si la publication est bonne ou mauvaise, ou tu regardes juste le résultat, Pas le gap? forcément. Oui, alors oui, évidemment, par la force des choses. Mais j'essaye pas trop d'en tirer des conclusions. Parce que de toute façon, ceux qui tirent des conclusions sur les publications, le lendemain, ils disent le contraire. Il y a des gens, sur la publication d'Adyen, il y a 3 semaines, tout le monde a dit, oula, la publication d'Adyen, c'est une catastrophe. Le lendemain, elle a fait plus 30. Donc bon, et les mêmes qui avaient fait un article en disant que la publication d'Adyen était, eh ben, le lendemain matin, ils ont fait une autre publication en disant que les résultats étaient extraordinaires. Donc tu peux pas savoir. Au-delà du fait, je ne veux pas parler de compétences parce que vraiment c'est compliqué d'analyser à la fois une publication et à la fois d'analyser ce que le marché va décider. Et à la fois, il y a des éléments qu'on n'a pas, c'est les contraintes techniques. J'insiste vraiment sur ce phénomène-là parce qu'il y a des fonds qui sont en short, il y a des fonds qui sont acculés, donc tu ne sais pas les contraintes techniques, comment on va réagir, il y a les algos qui sont derrière, etc. Donc tu ne sais pas comment le marché va réagir. Mais par contre, ce que tu peux observer, c'est quand il y a ce fameux dip. Comment réagit le marché? Et là, c'est intéressant parce que souvent, ça se répète. Parfois, tu as un dip, tout de suite, il a racheté, poum, 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 en 3 jours, tu as comblé le gap baissier. Souvent, ça se répète. Parfois, tu as le gap baissier, tu as 2-3 jours, ça continue à baisser, et après, tu as le rebond. Et souvent, ce sont des choses qui se répètent. Donc voilà, par exemple, en termes d'expérience dans ce genre de marché-là, ce qu'on peut apprendre, c'est vraiment essayer, si je devais donner un conseil, entre guillemets, à ma modeste place, observer ce qui se passe, observer les premières réactions, notez-les sur un papier. Voilà, là, Morel Prom, gap baissier, le lendemain, explosion, le surlendemain, explosion, le surlendemain, gap comblé. Et vous verrez que relativement souvent, ça se reproduit sur d'autres actions, même sur des secteurs différents. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait d'ailleurs à l'époque en 2020 où tout explosait.
toutes les smalls explosaient. En fait, le but du jeu, c'était de trouver celle qui explosait après. Parce qu'en fait, c'est toujours le même schéma qu'on trouve, hein. On a une explosion et après, on cherche l'autre qui explose. Donc, c'est vrai que peut-être dans les résultats, on a toujours la même chose. C'est-à-dire que le marché a envie d'acheter, même si les résultats sont mauvais, ou le marché a dit, bah, j'ai envie de jeter à la poubelle, même si les résultats sont bons. Donc, c'est vrai que c'est intéressant 80% des ça. résultats, t'as raison, 80%, on le sait pourquoi, sur Twitter, tout le temps, les gens me disent, pourquoi tu joues jamais les résultats? Mais parce que 80% des résultats sont vendus, au moins en l'open. Après, il peut y avoir des gars baissiers achetés, mais 80% des résultats sont vendus, donc ça sert à rien. En 2020, t'achetais la plus grosse daube pour les résultats, c'était le lendemain, t'avais un gap haussier. Donc là, tu prends les risques. Mais nous, là, cette année, tu me parles de l'évolution, ben là, pour le coup, c'est une sacrée évolution. Parce que tu sais, tu regardes ce que le marché interprète, comment le marché l'interprète, et tu vois, tu fais des probabilités, tu vois, il y a 10 publications, sur les 10, il y en a 8 qui ont fait un gap baissier. Bon, ben demain, j'ai des publications, je la joue ou je la joue pas? Ben, je la joue pas. Voilà. Si tu vois que la première semaine, tu as 10 publications, et que sur les 10, tu en as 8 qui font des gaps haussiers, ben, c'est pas pareil. Là, peut-être, tu te dis, bon, ben je vais certes réduire un peu ma tête, mais je veux le jouer. Tu vois, c'est là où le trader doit aussi s'adapter, et c'est là où c'est pas toujours évident. Pour moi, comme la majorité des gens, je pense d'ailleurs, c'est que ben, ce marché-là, et c'est de plus en plus vrai, et c'est pour ça que les marchés financiers sont de plus en plus compliqués, c'est qu'ils demandent une évolution, une remise en question permanente. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain, mais pourra peut-être l'être après-demain. Donc, ça demande énormément, énormément. C'est là, c'est d'ailleurs une des principales qualités pour moi de Michael. C'est lui, il a une énorme capacité. On dirait pas comme ça, mais lui, il a une énorme capacité d'adaptation. Il observe beaucoup ça. Il le dit pas qu'il Il le dit sent pas, le mais c'est marché presque en fait, hein. inconscient. Il sent, mais il te dit, c'est là, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. Il te dit. Il y en a qu'on le feeling, il y en a qui ont le talent, qui ont la sensibilité pour qu'ils sentent le marché. Mais en réalité, tu sens pas le marché, c'est pas vrai. C'est juste que tu as l'expérience, tu as un vécu, qu'il y a des gens qui n'ont pas. Il me dit, ouais, mais moi, ça fait que, je sais pas, 10 ans que je trade, ça fait pas non plus 100 ans, mais ça fait 10 ans que tu es H24 sur ton ordinateur. Donc c'est comme si un mec avait tradé 3 fois moins pendant 50 ans. Donc c'est énorme l'expérience que tu as. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, moi, enfin, bon, tu sais, au-delà de moi, ce que je me régale, moi, d'écouter Mika quand on discute comme ça, ou David, quand on fait des soirées. Bon, on fait des soirées, on parle de bourse pendant 5 heures généralement, mais je me régale, parce que ces mecs-là, ils ont une expérience De fabuleuse. fouet. Voilà. Techniquement, honnêtement, c'est pas pour. Voilà, mais même Mika, il me dit, techniquement, je suis moins bon que toi. Donc, Mika lui-même. Mais par contre, l'expérience qu'il a au quotidien, moi, je ne l'ai pas, tu vois, à regarder les carnets toute la journée, etc. Donc, ça m'apporte aussi d'autres compléments. C'est pour ça aussi qu'on a cette force-là sur le salon, c'est qu'on a des profils différents. Et On t'a vu cette voilà. année Donc. aussi pas mal proposer des sujets fondamentaux. Tu es venu à l'analyse fondamentale parce que c'est le marché qui demandait ça ou alors parce que tu as évolué aussi? Alors qu'avant, tu étais vraiment plutôt analyse technique et cette année, on a vu des sujets assez intéressants en analyse fondamentale. Bah alors, un peu les deux, parce que moi, tu sais comment c'est pas toi que je vais l'apprendre, sur les réseaux sociaux, t'es étiqueté. Donc, moi, j'étais le mec qui mettait des graphiques. Donc, en gros, quand je parlais d'économie, je connaissais rien à l'économie. Mais sauf que les gens ne savent pas mon parcours, ne connaissent pas mes passions, connaissent pas. Moi, je suis un passionné d'économie et de macroéconomie. Je lis tous les articles, je regarde tous les graphiques, etc. Je suis même plus passionné par l'économie et la macroéconomie que les graphiques. Sauf Et que, bah, comment je être suis. sorti alors en analyse technique au départ plutôt qu'en analyse fondamentale? Comment quoi? Je sais pas, Pour, pourquoi, pourquoi être s'être présenté entre guillemets ou pourquoi on a eu ce ressenti au départ que tu étais spécialiste technique et c'est seulement Ah. maintenant qu'on découvre aussi que ta deuxième facette de fondamentaliste, macroéconomie, peut-être géopolitique, je ne sais pas, on ne l'a pas encore trouvé, mais bon, on sait jamais. Non, géopolitique, moins, beaucoup moins. Ça me passionne beaucoup moins d'ailleurs. Pourquoi? Ben, je sais pas. Après, tu sais, voilà, on range les gens dans des cases, mais c'est humain, il n'y a pas de mal. Hein. Enfin, je reproche rien à personne, il n'y a aucun souci. Hein. Mais oui, on a toujours tendance à ranger les gens dans des cases. Et voilà, lui, c'est le spécialiste. Puis bon, moi aussi, j'ai été présenté par tout le monde comme voilà. Et puis bon, c'est ma passion aussi, l'analyse technique. Hein, donc voilà, donc il n'y a jamais eu aucun problème. Toi qui Mais. fais les deux maintenant, on peut dire qu'on est plus dans un marché fondamentaliste ou un marché technique? Non, 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 non. Pour moi, de toute façon, alors, je veux pas Enfin, faire le débat. à court terme, je veux dire, sur cette année 2023, hein, évidemment. Ouais. De toute manière, c'est ce que je dis toujours, ça c'est très important. Il faut, alors,
C'est là où moi aussi, à titre personnel, j'ai évolué, je pense, j'ai progressé. C'est que je pense avoir une meilleure lecture de la aussi avec le poids des années, etc., une meilleure lecture macroéconomique. Mais il faut toujours avoir bien conscience que pour moi, c'est très clair, les graphiques sont prioritaires. C'est-à-dire que tu peux avoir un scénario macroéconomique baissier, c'est ce que j'ai moi actuellement. Pour autant, dans ce scénario macroéconomique baissier, tu peux avoir des rebonds spectaculaires comme on a là depuis 3 semaines, 1 mois. Donc c'est quand même dommage, c'est ce que je dis toujours, c'est quand même dommage de se foutre un biais négatif et de s'empêcher de trader alors que tu as des choses à faire. Donc c'est là tout la difficulté aussi de la personne qui fait un peu les deux. C'est-à-dire se dire, OK, je fais de la macroéconomie, OK, je me fous des billets, mais ça veut dire aussi que je suis capable, malgré des billets négatifs, de payer le marché à un moment donné parce qu'il y a un rebond technique à jouer, et il va y avoir des contraintes techniques qui peuvent m'amener à faire un rebond, comme on l'a sur le CAC, de 600 points. Tu vois, ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile, c'est d'être en capacité de se dire, je vois un marché qui va baisser dans les, je sais pas, une connerie, 6 mois, un an et demi. Pour autant, je vais payer le marché maintenant parce que je pense qu'il va rebondir de 15 ou 20%. C'est-à-dire Tu que vois? jouer la contre-tendance, quoi, en fait. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, on pourrait dire ça. Donc, tu vois, ça c'est vraiment, voilà, ça c'est des choses où, ouais, moi j'ai évolué, je suis assez, voilà, je suis rarement fier de moi quand même. Mais là, pour le coup, je suis assez content parce que voilà, ça fait partie des choses où j'ai bien évolué. Donc voilà, je me suis pas trop planté cette année sur la lecture du CAC. Surtout les 6 derniers mois, j'ai pratiquement eu tout. Enfin, voilà, les abonnés, Mika te le dira. J'ai pratiquement eu toutes les anticipations, les grosses anticipations. À 6008, c'est pour ça qu'on était acheteurs. Parce que pour moi, c'était un moment donné où on allait 6008, moi rebondir. je Il dis y la avait trop. vérité, moi j'y croyais pas, hein, parce que je voyais tout le monde Ouais, qui mais y je sais. croyait, et je me Personne n'y dis croyait. on va les Personne n'y traverser. croyait. Personne n'y croyait. Et je vais te dire un truc. Même moi, j'y croyais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis forcé, je me souviens très bien, je me suis forcé à dire aux abonnés, allez, on y va, il faut y aller, il faut y aller. Alors que dans ma tête, C'est mais dur, hein, Nick, est-ce que tu te dis, d'enlever son biais et t'as un de biais trader pur? juste ce qu'on voit, hein. Oh, mais c'est dur. Et puis nous, il ne faut pas croire, hein, t'as le poids, hein, du salon, hein, t'as des gens, hein, qui te regardent. Hein. Alors nous, on a beaucoup de chance, on a des abonnés qui sont extra. Donc jamais ils m'ont reproché quoi que ce soit quand je me suis planté, jamais, jamais. Et je me suis planté X fois. Ouais, t'as le poids, tu te dis, putain, allez, il faut y aller, personne n'y croit, et t'as tout le monde qui est vendeur, et toi, tu dis, bah, les gars, il faut y aller, c'est le moment, quoi, j'ai des signaux et tout. Tu dis, j'ai des signaux, mais tu te dis, c'est ça. Et puis, si, finalement, c'est passé, bon, bah, écoute, tant mieux, mais il y a de la Super. réussite, encore une fois, j'insiste là-dessus. D'accord. Bah justement, Parce c'était qu'il un faut peu être la prudent. transition que je voulais faire. Ton évolution cette année par rapport à tout ça, le biais, l'analyse fondamentale, comment ça s'est traduit sur ton salon? Parce qu'en fait, quand on a un salon, c'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire que toi, en fait, c'est un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que tu as un plan, mais il faut que tu te forces à suivre ce plan parce qu'en fait, tu n'es pas le seul. Et tu as le désavantage de dire, ou là je rentrerai, mais si je rentre et que j'envoie les gens contre le mur, c'est pas bon. C'est pas difficile, c'est pas facile à gérer ça. Hein. Donc toi, comment as-tu pu transposer donc tes idées et tes sensations au salon cette année? Ben écoute, ça a été très dur. En plus, pour te faire l'anecdote, tu vois, comme quoi je dis quand ça va, quand ça va pas. 3 jours avant que le marché reparte, je donne. Alors, le mois avant que le marché reparte à 6008, je donne. Alors que c'est très rare, même que dans un marché baissier, je donne toujours des. Pratiquement pendant un mois, je donne rien. Je dis aux gens, pour le moment, il n'y a rien à faire. 3 jours avant que le marché reparte, ou 4 jours avant, je sais plus, j'ai plus trop le. Il y a un trade qui me plaît. Un trade qui me plaît et je le donne sur le salon. J'y vais moi aussi. C'est un trade sur EuroAPI. On rentre le soir sur EuroAPI. On se fait déclencher l'ordre à seuil de déclenchement sur EuroAPI. Je ne sais plus quel jour c'était. Je crois que c'était un lundi. Je ne sais plus. Bon, bref. Et on se fait déclencher le soir. En plus, on se fait déclencher l'ordre genre à 17h15 en fin de séance. On se Ouais, fait déclencher. le OK? trade de loose, quoi, oui. Voilà. Une heure après, EuroAPI, profit warning. Le lendemain, moins 60. Open, moins 60. Donc, on avait des tailles de position raisonnables, puisqu'on avait. Moi, j'avais un money management là-dessus de 2,5 ou de 5%, je ne sais plus. Mais en fait, ça fait quand même. Même si tu as 5%, ça fait quand même 2,5% ou 3% du capital qui s'envole en une heure. Hein. Je peux te dire que ça fait bizarre. Et sur ça, donc, moi, bon, je suis déçu pour moi, mais surtout, je suis déçu pour les gens.
Tu vois, moi, je sais que je me débrouillerai pour les. Mais bon, pour les gens, c'est dur, tu vois. Surtout que pendant un mois, tu n'as rien donné. Et tu dis, la seule belle config que tu as, c'est EuroAPI. Bon, et derrière, tu prends un profit warning. C'est même pas d'annonce des résultats, c'est un profit warning, d'accord. Et 3 jours après, ou 4 jours après, tu as les signaux techniques de reprise. Et là, c'est dur. Parce que tu dois dire aux gens, il y a 3 jours, je vous ai fait prendre un gap baissier sur EuroAPI. Et pour autant, je dois vous dire que c'est le moment d'aller sur un marché que tout le monde vend. Là, c'est dur. Voilà, là, c'est dur. Mais là, pour le coup, je suis assez fier. Encore une fois, je suis rarement fier de moi. Mais là, pour le coup, je suis assez fier parce qu'on l'a fait. Et on a eu les cojones, comme on dit en Espagne, de le faire. Donc, c'est bien. Mais c'est bien aussi, au-delà de la réussite, c'est bien parce qu'eux aussi, ils ont vu. Parce que moi, tu le sais, hein, sur le salon, c'est transparent. Hein. Moi, ils ont mes audios le soir. Ils ont eu ma détresse sur Wapi. Ils ont bien senti que ils étaient même déçus pour moi, presque plus que pour eux, tu vois. C'est là aussi où c'est un salon aussi, ce côté humain que j'adore. Et pour autant, ils ont eu confiance aussi sur ma capacité à rebondir et derrière, voilà. Donc l'histoire est belle, pour ça que je la dis, je la donne aussi. Peut-être ce serait mal fini, peut-être je n'en parlerai pas. Mais l'histoire est belle. Et donc c'est peut-être le message à dire, c'est même si à un moment donné, vous avez vraiment des passes difficiles, bah allez, remotivez-vous, reprenez tout à zéro et regardez vos graphes, quoi. Voilà. J'ai essayé d'avoir notre ami Mika, mais malheureusement, il a eu des problèmes. Il a pas pu venir. Hein. Ben, c'est pas grave. On fera une interview avec lui prochainement, soit avec toi, soit avec Ben, si tu veux revenir. Mais enfin Il veut bon. plus venir avec moi. Il m'a dit, je veux plus venir avec toi. Ouais, je crois qu'il veut plus venir avec moi en fait. Hein. C'est plutôt ça. Hein. Mais bon. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une avec lui en plus. Voilà. Donc, on parlait du rebond. Le rebond à 6008 que tu as réussi à prendre et que vous avez tous réussi à prendre avec le salon, tu le vois aller jusqu'où ce rebond en fait? Est-ce que tu vois un retournement de tendance ou juste un rebond dans une tendance baissière? Je peux te, si tu veux, je vais peut-être, alors ça va peut-être pas répondre complètement à ta question, mais je peux te partager un truc qui va peut-être intéresser les. Attends, ouais, tac, 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 tac. Attends, attends, attends. Attends, je te partage peut-être qu'il va une statistique. Je sais que tu aimes bien les stats toi aussi, un peu comme moi. Alors attends. Statistiques, je vais te partager. Hop, tu me dis quand tu vois mon Ouais, je vois écran. les opportunités du week-end là, je vois Ouais, un voilà. Donc ça PowerPoint. c'est le, ouais, c'est le PPT que j'ai envoyé au salon. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le graphe d'après, voilà celui-là. Tu vois, ça c'est la saisonnalité du marché, le comparatif entre le CAC 40 en haut et le CAC small en bas. Et souvent, on dit que les marchés sont très favorables au mois de décembre. Alors, pour le CAC 40, Donc ça, c'est le mois de décembre sur les 10 dernières années, voilà, hein, c'est ça? voilà sur les 11 dernières années, 2012, 13, 14, etc., jusqu'à 2023. En haut, c'est le CAC 40, classique, le cash. Et en bas, c'est le CAC small. Okay. Quand tu regardes sur les 11 dernières années, bah, tu t'aperçois que vraiment de très favorable sur les 11 dernières années, tu en as une ici, deux ici, allez, on va dire trois ici. Donc sur les 11 dernières années, là, on ne peut pas dire que plus 1 et plus 0,6, ce soit des mois exceptionnels, et le reste, c'est rouge. Là, tu as un 0. Donc voilà, tu vois, ce n'est pas si extraordinaire que ça. En revanche, quand tu regardes les performances, oh, décidément, quand tu regardes les performances du CAC small en décembre, sur les 11 dernières années, là par contre, c'est pas la même. À part une année en 2018, tu te souviens de cette année-là qui avait été cata, où le décembre avait perdu pratiquement 10%. Pour le reste, pratiquement la totalité des années ont été vertes. Et bien vertes d'ailleurs. Donc, le mois de décembre est souvent un bon mois, oui, mais souvent un bon mois pour les mid and small, surtout les small. Pourquoi? Parce que Donc, les gérants font leurs emplettes sur ouais. les small, les CAC, les groupes, les big toute l'année et prennent les small enfin peut-être? Ben, alors, il y en a certains qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vérifiable, etc. Mais qui disent qu'en gros, les gérants de fonds, toute l'année, ils s'emmerdent plus maintenant, ils prennent des grosses capes comme ça, ils sont à peu près assurés d'avoir à peu près la performance du marché. Et donc,
en fin de saison. Ils achètent plein de small cap, etc., pour montrer leur portefeuille plein de small cap en disant, cette année, j'ai fait plus 10 avec que des small cap qui ont sous-performé. Donc, en gros, on est les meilleurs, quoi. Et ils prennent les meilleurs small cap pour dire, en fait, on avait identifié les bonnes small cap qu'on performait. Et donc, ça, potentiellement, ça apporte du flux. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, c'est ce que j'ai toujours entendu. Bon, potentiellement, peu importe, à la limite, on s'en fiche, tu vois, ce qui compte, c'est la réalité. Donc la réalité statistique, c'est celle-ci, tu vois. Donc voilà un petit peu un élément de réponse, en tout cas à court terme, sur le mois de décembre. Est-ce que je vois le marché continuer? Peut-être, mais peut-être pas autant sur les indices. Je pense que les indices, globalement, ça va être compliqué, sauf si, pour le CAC, sauf si le luxe se reprend. Parce que le luxe, là, pour le moment, il alourdit le CAC en ce moment. Et pour le CAC 40, comment tu vois ça pour la fin de l'année? Alors, le CAC, alors déjà, il faut prendre du recul, hein. C'est sûr que quand tu vois le CAC 40 comme ça, voilà, encore une fois, comme on l'a dit, sur un haut de canal, donc il faut quand même rester vigilant. Moi, là où je te parle, on arrive sur des zones, voilà, qui pour moi, devraient quand même générer, enfin, du moins, s'il y a des vendeurs, pour moi, ils seront là. S'ils ne se présentent pas là, par contre, c'est que c'est vraiment bullish. De toute façon, le CAC aujourd'hui, il est alourdi par ce qui a fait son succès, c'est-à-dire le luxe. Et donc, pour moi, ça va être là la clé, en fait, si tu veux, de savoir est-ce que finalement on va se retourner à la baisse ou pas. Il va falloir observer le luxe. Quand tu regardes LVMH, ce qui était intéressant, c'est que LVMH, elle était. Donc, c'est toujours une tendance haussière. Hein. LVMH, il ne faut pas non plus. Voilà, c'est très haussier. On est revenu, pour moi, sur un niveau clé. Ce qui est intéressant, c'est la figure qu'elle va construire, LVMH. Tu vois, on avait ce biseau descendant. On a cassé par le haut. On revient potentiellement sur le bas. Et pour moi, ce qu'il va falloir observer, c'est la congestion là. Si tu congestionnes bien, tu casses par le haut. C'est très bon pour le CAC. Si tu repasses sous les 680, à mon avis, il faudra vraiment être vigilant. Même chose sur Kering. Kering, alors qui est encore plus baissière pour le coup que LVMH. Kering, on avait ce canal baissier, on l'a cassé par le haut, on a fait la congestion. Ici, on a tenté de sortir, on n'y est pas parvenu, ça a été vendu. Et là, malgré tout, on revient sur le support horizontal. Et ce que j'attends là aussi, c'est de voir un petit peu est-ce que Kering va avoir la capacité de bien congestionner et éventuellement relancer. Donc voilà, pour moi, ça se joue beaucoup sur ces deux valeurs-là. Pas que, hein, il y en a d'autres. Hein, mais je pense que ce sont les valeurs observées. Également les bancaires. Également les bancaires. Quand tu regardes Crédit Agricole, elle a une super gueule. Elle est pratiquement sur le break. Voilà, elle est là, tu vois. Alors je dézoome. Tu vois, voilà, ça va être très intéressant de voir si elle va avoir la capacité de ce que j'appelle assumer le break. C'est-à-dire assumer le break, ça veut dire qu'elle est en train de breaker. Assumer, ça veut dire rester au-dessus du breakout. C'est-à-dire vraiment arriver à voilà, rester dans cette zone, bien congestionner là-dedans. Si on a ça et que derrière ça relance, ça aidera très forcément le CAC 40. Tu vois, on avait un super. Voilà, c'était Donc propre. Hein. même si les chiffres macro sont pas très bons, c'est pas encore tout perdu. On pourrait encore aller plus haut sur lequel on pourrait casser ce biseau, quoi. Bien sûr, mais le marché à court terme, il en a rien à foutre de la macroéconomie. Le marché à court terme, il en a rien à foutre. Alors en plus, on a vu sur certains graphes qu'il y avait eu des liquidités, notamment aux US, toc, 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 notamment aux US, voilà, là, c'est ce graphe-là. Tu vois, il y avait eu en rouge, c'est les liquidités, hein, la liquidité globale aux US. Qui a augmenté hein, depuis octobre, et donc ça a certainement permis également le rebond là-dessus, quoi. Donc pour moi, de toute façon, ce sont les flux qui guident les marchés, plus que le fondamental, plus que la macroéconomie. Et donc on peut avoir une poursuite de la hausse, mais encore une fois, ma vision sur un an et demi, c'est pas celle-là. Par contre, ma vision à 5 ans, elle est tout autre, parce que moi Toujours en je pense ayant en que. point de mire, évidemment, tu le dis souvent, c'est les taux Voilà. de la Fed et de Moi, la BCE. mon scénario, bon là, on enlève tout le côté technique. Vraiment, si je devais me mouiller, donner un scénario à 1 an, à 2 ans et même à 5 ans, je vais te le donner. Là, vraiment, je me mouille et
tout le monde aura le plaisir de reprendre toutes les bêtises que je dis là plus tard. Je pense que les banques centrales vont. Bon, tu le sais, hein, depuis, ça fait longtemps que je dis que les banques centrales pivoteront au milieu de l'année 2024. J'avais indiqué que Powell ne ferait qu'une seule hausse de taux alors qu'il en promettait deux. Pour le moment, ça m'a donné raison. Donc, je pense qu'il va pivoter au milieu de l'année 2024, que c'est là où potentiellement quelques mois plus tard, tu auras le point bas. Et derrière, c'est là où ça m'intéresse. J'espère qu'on aura ce point bas parce que je pense que derrière, les banques centrales, elles vont être obligées de faire quoi? Elles vont être obligées de réinjecter comme des malades le marché de liquidités. Elles vont être obligées de refaire ce qui a marché précédemment, c'est-à-dire d'injecter à fond, d'avoir une politique de taux très bas, etc., etc. On va revenir, pour moi, on va revenir sur ce qui était le cas après le Covid. Et donc, je pense, par Sur un contre, que si on a quantitative ça, easing et tout ça, quoi. ah, mais moi, je suis persuadé. En fait, On ne c'est un peut peu pas comme sortir de si ce système-là. un drogué aurait besoin de sa dose, quoi. Mais là, Ah, bah oui, si mais on là, enlève la c'est plus une perf, le dose. marché tombe, Avant, c'était donc. une, puis deux, puis là, maintenant, il faut envoyer le bidon, quoi. Et je pense que si c'est ça, si on a ce scénario-là en 2024, c'est-à-dire qu'on a un marché qui fait des gros creux, etc., je pense que les creux, il faudra les payer. Parce qu'en 2025, 2026, quand ils vont injecter comme des abrutis le marché de liquidité, je pense que tu vas avoir un bull market de malade mental sur le marché action. Y compris sur les crypto-monnaies, j'ai fait une émission là, il y a quelques temps, qui sont en train de préparer des configurations de dingo pour moi sur du moyen long terme. Donc, il y a des choses à faire. Pour moi, le Et. bull run sur les cryptos est parti. Pour moi, c'est Ah, parti. pour moi, on a eu le rebond. Pour le moment, c'est du rebond technique. Très, très puissant, très. Mais c'est, tu sais, sur les cryptos. Non, mais je te donne mon avis. Pour moi, pour le moment, à ce stade, ce qu'on observe, en observation, je ne te dis pas mon avis. Hein, moi, mon avis, il est comme toi. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est qu'on a eu un rebond technique qui a cassé les obliques, qui a cassé les niveaux et les horizontaux, tout ça. Moi, ce que j'espère, c'est que tout le début 2020, la fin de 2023 et le début de 2024, on construise les fameuses figures. Si on a ça, derrière, ouais, derrière, je pense que si ça casse par l'eau, et en plus, tu as des espérances de gains fabuleuses. C'est pour ça que j'ai fait une émission Alors dessus, moi, si tu veux. je pense que toute la consolidation et que l'hiver des cryptos est fini et que là, on casse par le haut et qu'on va aller très très haut. Et on va aller très très haut et très très vite. Et je l'ai dit en particulier, je ne vais pas te le dire en public parce qu'après, on va reprendre ce que j'ai dit. Bah, je le dis, hein. Pour moi, on retrouvera les plus hauts très très rapidement. Très très Ouais, rapidement, je moi, je sais. veux dire dans les 30 jours. Alors, moi, je ne sais pas si tu auras raison ou pas, mais surtout, je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas parce que pour moi, si on va très vite, très haut, sans construction, ce sera dangereux pour la suite. Donc, moi, contrairement pas contrairement à toi, j'allais dire contrairement à toi, mais pas contrairement à toi, mais ce que j'espère, moi, c'est que tu vas construire. C'est là où ça m'intéresse. C'est que là, tu as eu les premiers mouvements, tu as eu des rebonds de 20, 30, 40, 50% sur certains cryptos. Moi, ce que j'espère là, c'est les biseaux descendants, les triangles, les ranges, les machins. Et si tu as ça pendant 2-3 mois, derrière, ça. Ouais, là, derrière, je vais te dire, ouais, là, ça a accumulé là-dedans. Et là, derrière, on va pouvoir vraiment se régaler. Si ça pète tout de suite, c'est possible que ça pète tout de suite. Tu as peut-être raison. Hein, mais ça me gênera un peu parce que pour moi, ce sera du FOMO et derrière, il n'y aura pas eu de l'accumulation de l'énergie nécessaire pour porter le marché vraiment sur du long terme, quoi. Moi, je On pense que verra encore une fois, hein, le ça va être FOMO sera passionnant. dû par le fait qu'on a une date butoir qui est le 10 janvier, où les tribunaux vont donner raison ou pas raison à la SEC pour avoir bloqué la sortie de l'ETH crypto de BlackRock sur l'ETF, pardon, l'ETF crypto de BlackRock sur le Bitcoin. Et là, tout le monde est en train d'acheter la rumeur que tout sera fait. Ce qui me fait croire ça aussi, en fait, c'est que le fait d'avoir la condamnation de Binance par le gouvernement américain, ben, ça n'a rien fait du tout, en fait. Et ça a conforté le fait que Binance veut se mettre en conformité. Et donc, ils vont payer l'amende monstrueuse qu'ils ont eue par le gendarme US. Ils vont payer et ils vont se mettre en conformité. Et ça crédibilisera ou ça crédibilise les cryptos. Et ça va créer un effet où il y aura du nouvel argent, je dis toujours du nouvel argent qui va rentrer. Et c'est là où on aura vraiment la deuxième grosse hausse. Et ce sera un bull run, et un bull run très important. Parce que, Possible. comme tu disais jeudi dernier, BlackRock, s'il vend des ETF, Bitcoin, il faut qu'il achète du Bitcoin. Et Bitcoin, il y en a 20 millions.
De 20 à 27, il n'y en aura pas plus. Après, il y a le halving qui vient en janvier, mais à mon avis, tout ça, ça va spéculer jusqu'au 10 janvier, hein. Et après, peut-être, quand la nouvelle va sortir, apparemment, elle serait positive, là, il va y avoir un FOMO de fou. Je reprends l'anecdote que j'avais dit l'autre jour sur Trade République. Mon voisin, qui est boucher, qui a beaucoup, beaucoup d'économies et beaucoup d'investissements, lui, pour rentrer sur le Bitcoin, sur le crypto, il ne savait pas comment faire. Il y a un pote à lui qui habite à Sitges, qui lui a recommandé un pote qui est en Belgique. Et qui investit en crypto. C'est pour dire que maintenant, les gens, ils ne savent pas comment investir en crypto. Et du moment où on aura BlackRock qui a un ETF crypto, t'ira à la caisse d'épargne ou au Crédit Agricole, et le mec, ils te proposeront ça. Et c'est là où vraiment le gros argent va rentrer. Enfin bon, c'est ma théorie, mais bon. Oui, non, mais elle tient la route. Hein. Moi, pour le coup, sur les cryptos, je suis pas assez calé fondamentalement pour pouvoir, voilà, c'est pour ça que je regarde les graphes. Voilà, tout simplement. Et on verra si les graphes vont en ce sens. Ouais. Ouais, moi, je commence à rentrer quelques petites positions là sur certaines. Moi, j'ai fait Juste histoire de les full-in. suivre. Comment? Ah, j'ai fait full-in, moi. Ah ouais? Ouais, je suis rentré. Sur le Là, Bitcoin, toi, t'es. on est en train de. J'ai acheté le breakout Oui, de je me la rappelle. semaine dernière qu'on a recassé hier sur le Bitcoin et qu'on va probablement recasser aujourd'hui et demain sur le TH. Non, Avec moi, je toujours un suis stop pas là. court, attention. Ouais. Non, moi, je suis pas sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, pour moi, il n'y a pas assez de levier. Je suis sur plutôt des altcoins. Mais. Pour moi, c'est de l'investissement le Bitcoin, c'est pour la suite. Ah oui, non, mais après, non, mais attends, c'est pas une critique du tout, hein. C'est juste que moi, comme c'est toute petite partie de mon patrimoine, si tu veux, il faut que ça fasse x5, quoi. Sinon, je vais garder. Là, les positions que j'ai, il n'y a pas de stop, il n'y a rien, je trade pas. Hein. Enfin, je trade dans ce sens où j'essaye d'optimiser mon entrée, mais derrière, si derrière ça m'invalide, je sortirai pas, très Alors moi, certainement, c'est ma pour ça que poche je. crypto, je suis 100%. Bitcoin et Ethereum seulement. Hein. Moi Le non, moi Solana, non. il est trop monté. Bon, on va pas faire une émission crypto. Ouais. Puis c'est ce que tu dis qui est important, c'est pas ce que je dis. Par rapport au salon MTT, on a pris une décision, en fait. Hein. C'est d'arrêter. Sur. Non, je rigole. Ah, Non, on a pris une décision, c'est en fait de fermer, tu veux que dire? comme on Oui, a bah. fait un Black Friday plus Mais en fait, mieux. c'est pas ça. En fait, si tu veux, nous, au départ, on était deux avec Mika. On était deux sur le salon. Donc moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, il y avait, je sais pas, 35-40 abonnés. Maintenant, il y en a 3 fois plus. L'équipe s'est énormément agrandie. Maintenant, on est 8 au total. Voilà, il y a des catégories long terme. Moi, j'ai vraiment poussé pour qu'on ait des catégories long terme. Il y a une construction d'un portefeuille US avec Laurent qu'on avait reçu avec toi, mon copain Laurent, qui est un monstre de fundamental tech. On a également Argonu Max qui est un spécialiste du bêta. Il était venu chez toi d'ailleurs, Oui, je l'avais Max. interviewé il y a 6 mois, avant l'été, je crois. Super gars. Et en fait, ce qui va être passionnant, c'est que eux deux, en fait, ils vont bosser sur le portefeuille long terme US qu'ils vont mettre en place en 2024. Et moi, je vais juste les accompagner pour leur donner des points d'entrée techniques. Donc, ils vont construire petit à petit, selon les opportunités, un portefeuille long terme en 2024. Oli, il est sur le portefeuille long terme Euronext. Voilà, donc on a vraiment voulu développer Il y a un Christelle max. aussi en Ishimoku. Christelle Anishimoku, qui est exceptionnalissime cette année. Je crois que ça a été la meilleure de tous les traders, exceptionnalissime. Voilà, puis en plus, bon, ça va en plus au-delà, elle est d'une gentillesse incroyable. On a Trado qui est toujours avec nous, David qui passe faire un coucou de temps en temps. Enfin bon, voilà, on est tous ensemble. Donc c'est vraiment super cool d'avoir cette richesse-là. Et donc pour répondre à ce que tu disais, en fait, c'est pas qu'on veut pas, voilà, mais c'est que, alors, on a déjà des demandes, c'est pour Noël et tout, est-ce que vous ouvrirez d'autres places, etc. Pour Noël, certainement, on fera 4-5 places de plus, tu vois, histoire d'eux, pour pas. Mais en fait, on veut pas grossir trop vite, tu vois, moi, je veux pas me retrouver avec, voilà, trop d'abonnés, déjà, c'est plus de travail, puis on veut de la qualité.
Et c'est pour ça que moi, je préfère qu'on garde les gens qui sont là parce qu'ils sont contents, plutôt que s'embêter et de vouloir se développer trop vite. Non, non, on fait les choses petit à petit. Là, on a eu 20-25 places supplémentaires sur le salon. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de très bien marcher. J'ai pas trop de doutes, hein, pour être honnête avec toi. Mais je veux pas que ça devienne, tu vois, le forum Boursorama, quoi. Donc, non, on fait les choses correctement Donc pour l'instant, et on voilà. n'accepte plus personne. On annonce hein, qu'on n'accepte plus personne Ah sur le oui, salon. ah non, mais là, oui, là pour le moment, jusqu'à Noël, on ouvrira 4-5 places éventuellement, mais pas plus. Voilà. D'accord. On reste Donc comme voilà. ça, en tout cas pour l'année 2024, pour l'année 2023, pardon, et après, on verra au fur et à mesure, etc. Nous, on est très bien comme ça, on est très heureux, ça nous suffit, tu sais. Ah ouais, c'est très. Très bien, il y a C'était eu notre beaucoup, vie, c'est, beaucoup de tu la monde du connais, ma vision, depuis le salon. départ, j'ai toujours la même, hein. Moi, j'ai pas changé, hein. Voilà, hein, on verra. Beaucoup de monde sur le salon pour beaucoup de monde du séminaire qui était venu du salon. Ben, c'était très bien. Bon, ben, on arrive à la fin de notre émission. Merci Tino d'être venu. Plaisir, Denis. Plaisir. Désolé, je m'excuse pour Mika qui a eu un problème de dernière minute, qui n'a pas pu nous rejoindre. Comme d'habitude, hein, si vous. T'as rien d'autre à dire, mais Tino, on a fait le tour de tout, hein, on n'a rien oublié. Hein. Non, après, moi, je peux te parler de bourse toute la nuit, si tu veux, C'est c'est ta pas un dernière problème. chance avant que j'arrête l'émission, c'est toi qui choisis. Hein. C'est toi qui vois, moi, si tu veux, on peut parler de D'accord. bourse toute la Non, on nuit, va arrêter mais je là. pense qu'au bout d'un moment, les gens l'ont remarqué. Bon, arrêtez, on va faire une petite émission de 40 minutes, sympa. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Mettez des commentaires, ça aide la chaîne. Et puis, abonnez-vous aussi. Voilà. Merci à tous. Alors, et puis faites comme d'habitude, faites attention. Hein. Merci, Tino. Et puis, à très Plaisir. bientôt, À bientôt tout alors. le monde. Ouais, à bientôt tout le monde. Et puis, on Et retrouve bonne. Mika très rapidement dans une autre émission, en espérant que cette fois, il n'aura pas de problème. Merci, ciao à tous.